Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, le 2 novembre 2015. Donc je suis là, j'ai pris un petit break en fin de semaine, j'avais beaucoup de choses à faire. Puis ces temps-ci, je joue ce qu'on appelle du swing up-tempo à la batterie, c'est-à-dire à grande vitesse, et c'est très demandant, donc j'ai focusé, ça se dit pas, je sais, mais bon. J'ai mis l'accent, j'ai fait beaucoup de swing up-tempo ce week-end et c'est à peu près comme faire du jogging, alors j'ai pris une pause de marche. Puis c'est correct aussi de se donner un break, c'est ça. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Là je suis à la moitié de ma marche, c'est toujours ici, je viens toujours jusqu'ici le matin, au quai, au nouveau quai. C'est tellement beau ce qu'ils ont fait, regarder. La ville a... c'est un vieux quai tout décrépit, puis cet été, la ville l'a tout renouvelé. C'est vraiment beau, il y a des bancs pour s'asseoir, c'est très zen. Le soir, c'est beau, il y a des lumières un peu partout. Puis on a une super vue sur, évidemment, le fleuve et devant l'île Saint-Barnabé. C'est beau, Rimouski, la nature. Puis tantôt, j'ai été témoin de... je sais pas c'était quoi les oiseaux, là, ça devait être des oies. Qui s'en allait vers le sud. Je vais essayer. Je pourrais pas coller les deux vidéos parce qu'avec mon iPhone, je peux pas. Mais je vais le mettre quand même tantôt sur ma page. Donc voilà. Alors là, je repars. J'ai perdu ma tuque en chemin. J'avais mis ma tuque dans ma poche, puis je l'ai laissée tomber. En fait, elle est sortie de ma poche. Donc j'aimerais bien récupérer ma tuque. Je l'ai depuis que j'étais à mon premier cégep, quand j'avais 17 ans à peu près, 16 ans. Et puis c'est ma tuque préférée. Donc je marche vite pour aller la retrouver. Donc, c'est ça. J'ai pensé à ça ce week-end. Pas parce que je fais pas de vidéo que je pense pas à vous autres. Puis, je me suis dit que ça me tentait de vous donner un défi, en fait. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas de motivation, puis qu'ils ont de la misère à se mettre dans l'action. Puis, je me dis, tiens, rien de mieux comme petit défi pour vous pousser à vous mettre dans l'action. Alors, je me suis dit que j'allais vous donner le défi de marcher à tous les jours cette semaine. 15 minutes. C'est pas beaucoup 15 minutes dans votre vie, là. C'est à peu près le temps de 3 pauses publicitaires quand vous écoutez vos émissions de télé. Donc, je vous mets au défi de marcher 15 minutes par jour cette semaine et de venir poster des photos de vos marches ou des vidéos sur ma page de perte de poids. Je me prends en main en route vers un poids santé sur Facebook. Donc, ça serait le fun. Je pense que ça va avoir un effet d'entraînement pour tout le monde. Puis, ça va être bénéfique pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on est lundi, le 2 novembre. En plus, le mois de novembre, c'est le mois où... tout le monde déprime. C'est le mois où c'est difficile au niveau de l'énergie, la lumière. On vient de changer d'heure en fin de semaine. Il fait noir de bonne heure. Marcher le matin, là, je vous le dis, là, vous n'allez pas sentir que vous êtes au mois de novembre. Ça fait toute la différence. Donc, je vous encourage. C'est soufflant parler en marchant vite. Donc, je vous encourage vraiment à vous mettre dans l'action. Donc, je vous lance le défi cette semaine. Donc, 5 jours de marche. On va se dire jusqu'à samedi, on va prendre une pause dimanche. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, qui est game d'embarquer dans mon défi? Alors, répondez-moi sur ma page, ça serait vraiment le fun. Je pense qu'on pourrait partir quelque chose de motivant, d'inspirant et qui va être bénéfique à tout le monde. Donc, je vous lance le défi, je vous souhaite une super belle semaine et puis j'attends de vos nouvelles par rapport à ce petit défi. Alors, bonne journée, regardez les beaux canards, ils sont pas frileux, hein? Tabarouette, je sais pas si vous pouvez voir. C'est des gros canards qui nage un matin. Tu me paierais cher pour aller dans l'eau un matin. On est bien, par exemple, ils ne vendent pas, il fait super beau. C'est gris, mais c'est très, 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 très calme ce matin. Donc, ça commence bien une semaine. Alors, je vous embrasse tout le monde. Bonne semaine. Merci d'être là. Puis, on se revoit demain matin. Pensez à ça aujourd'hui. Voir si vous avez le courage de commencer à marcher. C'est pas obligé d'être tôt le matin, mais 15 minutes par jour cette semaine. Et puis, voilà. Donc, j'attends vos nouvelles là-dessus. Ciao! Bonne semaine!